Bonsoir à vous tous, Sensei Jonathan Karaté Laval. Alors, j'espère que ça se passe bien à la maison. Alors, on garde le moral, c'est pas facile, on en a encore pour plusieurs semaines. Accrochez-vous, bon poisson d'avril en ce mercredi 1er avril 2020. Alors, profitez-en pour jouer quelques petits tours. J'espère que vous en avez profité dans votre journée et de prendre aussi un peu source d'air frais à l'extérieur de la maison. Ça fait toujours du bien. Et de respecter les consignes de confinement donc pour que, dans le fond, les choses s'atténuent à travers le temps. Donc, comme vous tous, je suis confiné à la maison, donc je suis prudent avec les enfants également. Donc, on prend soin de nous tous. On va bien. Alors, comme vous savez, tout est sur la glace. Donc, on attend de savoir les prochains développements. Et en attendant, bien, le mieux que je puisse vous offrir, c'est ces cours, donc, en ligne et sur vidéo. Donc, c'est ce que le tout reprenne dans l'ordre. Mais je vous dirais que, d'après moi, ça devrait s'allonger là, jusqu'en juin prochain. On ne se contera pas d'histoire, à moins vraiment d'un avis contraire. Mais ça a l'air vraiment aller vers ça. Donc, restons prudents et vigilants. Ceci dit, si vous avez des commentaires, n'oubliez pas de l'inscrire sur la vidéo et d'aller vous inscrire sur la chaîne YouTube Karaté Laval et de partager les vidéos autant que vous êtes en mode public et non pas en mode ami. Donc, pour que ça soit accessible à tous et que ça soit vu pour, par plusieurs personnes, le plus de monde possible. Alors, ceci dit, commençons notre 22e, donc mon 22e cours de Karaté Laval, toujours virtuel aujourd'hui. Donc, ça va faire quand même une bonne panoplie de vidéos qui va vous être donc mise en ligne et disponible pour vous tous. Donc, profitez-en. Puis, possiblement que même pour des cours d'enfants, il y a des trucs qui pourraient être très intéressants donc pour vous également. Alors, je tiens à saluer la gang, les frisés. Je ne sais pas si vous êtes dans ce cours-là. Je vous salue Esteban, Raphaël, Léa et Nicolas, Catherine, donc Virginie, Daphné, Senpai Eddy, Mathieu, William. Donc, vous étiez peut-être là hier, je ne sais pas, je me reprends aujourd'hui. Ceci dit, Jacinthe peut-être, Francine, Jacques. Donc, j'espère que tu n'es pas trop en délai. Donc, Jacques a de la misère avec la synchronisation, donc je n'ai plus rien. Et les frères Sad, Kamal, je ne sais pas si tu es toujours là, ou si tu as vu les courriels, ou si tu es en ligne avec nous. Donc, j'espère que tu nous suis. Donc, Fadois également. Donc, tu peux faire les cours intermédiaires les mardis, jeudis également. Ça donne l'occasion de faire les cours ce soir aussi. Donc, plusieurs personnes. Donc, Louisanne, Félix. Donc, allô, allô. Bonjour à vous deux. Plutôt bonsoir. Donc, on va poursuivre notre entraînement de cette semaine avec grand plaisir. Alors, fixe point devant. 16 ans. Ous. Point chaque côté, le corps droit. Moxo, on ferme les yeux. Moxo Yame, on salue devant Karaté Kyokushin. Ous. Sensei Nirei. Ous. Senpai Nire, us. Et le cours commence. Us. Kiritz, debout. Us. Très bien. Alors ici, on va commencer main en haut, point chaque côté. On y va avec Izagiri. Donc coup de genou. Main en haut, on y va 30 fois. Ich, us, ni, us, san, us, chi, go, rip, sich, ach, kill. Ju, ich, ni, san, shi, go, rip, sich, ach, kyu, ni, ju, ich, ni, san, shi, go, rip, sich, ach, kyu, san, ju. Très bien, push-up. On y va 10 fois. Ich, ni, san, shi, go, rip, sich, ach, kyu, ju. Set up, 10 fois sur le dos, up, each, knee, san, shi, go, rip, sit,
H, Q, J, up, debout. On y va avec squat, 10 fois, each, knee, san, shi, go, rec, sit, h, q, ju. Très bien. Prochain mouvement, main en haut. On y va. Mawashi Zagiri. Coup de genou circulaire, on tourne le corps, each, us, knee, us, san, shi, go. Rip, sit, arch, Q, Ju, here, each, knee, san, shi, go, rip, sit, arch, Q, Ju, here, each, knee, san, shi, go, rip, sit, arch, Q, Ju, here. Push up, 10 fois. On seul, each, knee, san, shi, go, rip, sit, arch, q, ju. Sur le dos, set up, each, knee, san, shi, go, rip, sit, arch, q, ju. Debout, hit, squat, main en haut, each, knee, san, shi, go, rip, sit, arch, q, ju. On bouge. Alors ici, fixe devant. Migi, sanchin de shi. Yoi. Kamate. Yeah. Zien kian en mogore. Jme. Us, 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 us. Us, 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 us. Yeah, neuvième, j'me. Us, 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 us. Yeah, nommé. Mais en haut, on y va avec Chudan Maigiri. Coup de pied au plexus. On lève le genou, each. Us, knee, us, san, us, she. Us, go, rip, sit, arch, q, ju, here, each, knee, san, shi, go, rip, sit, arch, q, ju, here, each, knee, san, shi, go, rip, sit, arch, q, ju, here. Très bien. 10 push-ups. On y va. Each, knee, san, shi, go, rip, sit, arch, q, ju. Sur le dos, set up. On y va. Each, knee, san, shi, go, rip, sit, arch, q, ju. Debout. Kirit. Squat. Each, knee, san, shi, go, rip, sit, arch, q, ju. Très bien. Fixe point devant. Migi, sanchin de shi. Yoi. Kamate. Yeah. Le huitième kian en mogore. On y va. Jme. Us, 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 us. Us, 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 us. Yeah! Nommé. Main en haut. On y va, Jodan Maigiri. Donc, coup de pied au menton, ou sinon, selon votre flexibilité, le plus haut possible. Donc, votre maximum. Donc, à terre. On y va, droite-gauche. Each, us, knee. Us, san, us, shi, go, rip, sit, arch, q, ju, here, each, knee, san, shi, go, rip, sit, arch, q, ju, here, each, knee, san, shi, go, rip, sit, arch, q,
Jude, here! Très bien. 10 push-up. On y va. On va au plancher. Each, knee, sun, she, go, right. Sit, hatch, two, two. Sur le dos, stand up. Each, knee, sun, she, go, break, sit, hatch, two, two. Et debout. Squat, mais en haut, each, knee, sun, she, go, break, sit, hatch, two, two. Et on bouge. Fixe point devant. Migi, Sanchindashi. Yoi. Kamate. Yeah. Septième kian. Tetsui. Jime. Os. 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 Us, 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 yeah! Nauré. Très bien, il a soumé, on bouge. Dernier coup de pied. On y va avec Geden Mawashigiri. Us, coup de pied circulaire dans la cuisse. On y va 30 fois. Mais en haut, tournez les épaules. Ça, là, ça, c'est pas des Mawashi, hein? Donc, ici, assurez-vous de tourner les épaules à chaque fois. Sinon, c'est un maigiri penché. Donc, ça ne sert à rien. Donc, habituez-vous de tourner le corps et les épaules ainsi que les hanches pour pouvoir faire le mouvement de rotation. Et ça va servir d'entraînement et développer la mécanique du corps. Us! Alors, main en haut. On y va. Ich, us, ni, us, san. Us, she, go, right, sit, arch, kill, two, yeah, each, knee, sun, she, go, right, sit, arch, kill, two, yeah, each, knee, sun, she, go, right, sit, arch, kill, two, yeah. Très bien, position push-up. On y va. Ich, ni, san, shi, go. Right, sit, hatch, kyu, ju. Et set up. Couché sur le dos. Ich, ni, san, shi, go. Right, sit, hatch, kyu, ju. Et debout. Squat, 10 fois, mais en haut, up, each, knee, sun, she, go, rec, sit, arch, kill, jew, et on bouge. Fixe point devant, on termine avec 6e kian, migi, sanchindashi, yoi, kamate. Yeah! Alors, on y va avec 6e, Kian Uraken. Ich, us, ni, us, 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 us. Yeah! Nambé. Us, yasumi, on relaxe. Qui complète notre échauffement pour le cours. Alors, on va poursuivre avec quelques notions de transfert de position, OK, et de déplacement. Pour certains d'entre vous, vous l'avez déjà pratiqué. Donc, on va revenir là-dessus, sur la transition d'une position à l'autre, OK. Sur les 4 positions, pardon, habituelles, donc, qu'on doit faire soit dans les kata ou en entraînement. Donc, on va commencer avec le Kyan Kataichi.
Ken Kataichi qui est basé sur les quatre positions, dont Zenko Tsudeshi, Sanshin Deshi, Koko Tsudeshi et Kibadashi Kyuju, donc 90 degrés, en ligne droite. On va se concentrer simplement avec la position déplacement des jambes et on va ajouter les mouvements de bloc et de punch par la suite. Russe! Alors, pour être en mesure de pouvoir être la même chose que vous, je me mets dos à vous pour commencer à votre gauche. Donc, je ne le ferai pas face en miroir, donc ça va être plus facile de le faire ensemble, donc du même côté. Alors ici, fixe point devant, on répète, Ken Kataichi, Yoi! OK, simplement le déplacement des jambes, on agrippe la ceinture, on commence en Zenko Tsudeshi, comme le premier kata, vers la gauche. Ich. Voilà. On avance Sanshin Deshi. Ni. Ici devant. Ensuite, Koko Tsudeshi. Donc, quand tu passes la transition de Koko Tsudeshi, je te rappelle ici donc de tourner le pied sur la pointe du pied et d'avancer ici devant Koko Tsudeshi. OK? Et Ich. On allonge Kibadashi. Donc ici devant. Ensuite, la jambe droite fait un demi-tour. Zenko Tsudeshi, Ich. Ici, comme le premier kata dans le fond. OK? Ni, Sanshin Deshi. San, la jambe d'en avant tourne à l'intérieur 45 degrés et tu avances droite, Koko Tsudeshi. Alors, tu dois placer ta jambe donc d'appui derrière en premier. Ich. Ici, Kibadashi. OK? Nauré. Donc, voilà. Donc, évidemment, quand tu es en Kibadashi, tu es dos à moi. Donc, tu n'es pas supposé être face à face. Donc, on devrait avoir. Pardon. Le même côté. Manque d'air. Hein? Alors, mon cerveau a besoin d'air, ça me fait bailler. Désolé. Alors, ici, le Kibadashi, on est dos dans certains cas. Alors, donc, juste passer en transition Kibadashi. Et lorsque tu fais ton demi-tour, regarde bien. Donc, lorsque tu es en Kibadashi ici, c'est la droite, donc, qui croise derrière, tourne en Zenko Tsudeshi, comme on fait dans le premier kata. Donc, c'est une mécanique et des points de repère que tu connais déjà à la base. Os! Très bien. Alors, on poursuit. Une deuxième fois en comptant avec le déplacement. Cette fois-ci, avec le deuxième compte, je vais prolonger vers le milieu. Donc, on va avancer vers le milieu. Si tu manques de place, donc juste restreindre un petit peu tes positions, tout simplement, mais garde en tête que c'est Zenko Tsudeshi, Sanshin Deshi, Koko Tsudeshi et Kibadashi. OK? Alors, fixe point devant. Ken Kataichi, ouais. Main à la ceinture, on reste concentré sur les déplacements uniquement. On tourne vers la gauche. Ich. Zenko Tsudeshi. Ni. Sanshin Deshi. San. Tourne le pied derrière 45. OK. Et allonge. Koko Tsudeshi. Ich. Glisse devant. Une ligne. Kibadashi. Là, on est dos à dos. Jambe droite, recul. Ich, demi-tour. Zenko Tsudeshi. Donc, tous les deux, on va avoir la jambe droite devant. Ni, Sanshin Deshi. San, Koko Tsudeshi. Shi, j'allonge. Tour. Les pieds sur la même ligne, Kibadashi. Maintenant, la gauche va un quart de tour derrière toi. Donc, tu vas être face. Tu vas être dans mon dos, OK? Ich, ici. Bon, là, c'est la gauche qui est devant Zenko Tsudeshi. Ni, en avant, Sanshin Deshi. San, tourne ton pied derrière, allonge Koko Tsudeshi. Shi, allonge Kibadashi, tourne. Alors ici, il reste de être face, OK? Droite en avant. La droite est en avant, OK? Nauré. OK. On le refait. Troisième fois. On va refaire jusqu'à la moitié. Et par la suite, on va ajouter les mouvements de blocs à chaque position. Donc, des blocs naturels qui s'appliquent sur chaque position pour
les mettre en œuvre. Et en même temps, ça va t'amener à travailler la coordination avec le haut et le bas du corps et en même temps voir où est ton focus. OK? Alors, on reprend une troisième fois. Jusqu'au milieu, on fait les 12 déplacements. Alors ici, je suis devant toi, fixe. Kyan Kataichi, yoé! Mets la ceinture une dernière fois. Ich, 5 coups de tachi vers la gauche. Ni, senshin dashi. San, kukutsu dashi. Shi, kiba dashi. Go, zenkutsu dashi. Droite en avant. Ich, senshin dashi, gauche. Ich, kukutsu dashi, droite. Ich, kiba dashi, gauche. Gauche, recule et fais un quart de tour vers l'avant dans le fond. Ich, tu dois tourner. Là, on est dos face. Je suis dos à toi, donc tu es derrière moi. La jambe gauche devant, Zenkutsu Dashi. On avance. Ich, Sanshin Dashi. Ni, Kukutsu Dashi. San, Kiba Dashi, droite en avant. OK, t'en vais. Très bien. Alors, maintenant, on va poursuivre ici avec le Zenkutsu Dashi, Maigren Barai. Quand on est en Senshin Dashi, Jodanuki. Lorsqu'on va poursuivre avec Kukutsu Dashi, ça va être Ushiuki, bloc intérieur. Et lorsqu'on va poursuivre avec le Kibadashi, ça sera Soto Uki, donc bloc extérieur. Us. Très bien. Alors, commençons avec les blocs. OK. Fixe point devant. Kyan Kataichi. Yoi! Maigren Barai, Zenkutsu Dashi. Ich. Évidemment, gauche, gauche. Ni. Là, c'est Senshin Dashi. Jodanuki. San. Kukutsu Dashi. Ushiuki. Shi, Kibadashi, Sutoki. Le même bras va bloquer. Ich, Maigren Barai. Parce qu'on a la droite en avant. Ich, Senshin Dashi, Jodanuki. San, Ushiuki, Kukutsu Dashi. Shi, j'allonge ici, Sutoki, Kibadashi. Gauche, un quart de tour vers l'arrière. Donc, Ich, Zenkutsu Dashi, Maigren Barai, gauche devant. Ni, Senshin Dashi, Jodanuki. San, Kukutsu Dashi, Ushiuki. Shi, j'allonge, Sutoki, Kibadashi. En vrai. OK. Je vais le faire ici. OK, je vais faire la vue de côté. Alors, tu peux observer, il y a peut-être des détails qui t'échappent quand tu le fais. Alors, fais juste, OK, porter attention sur ce que je vais faire. Je vais te le montrer sur un angle différent. Donc, évidemment, on commence par la gauche. Donc, actuellement, tu es rendu ceinture bleue, barre bleue, ceinture bleue, barre jaune. Tu devrais être en mesure d'être capable de commencer à transposer les mouvements dans ton environnement. Donc, même si ce n'est pas les mêmes couleurs, les mêmes murs ou quoi que ce soit, tu devrais être en mesure de transposer. Donc, par ton apprentissage et ton expérience, c'est, je te dirais, un aspect que tu dois commencer à maîtriser. OK? Donc, si tu n'as pas les quatre murs du dojo pour t'orienter, ben il faut travailler là-dessus. Il faut développer cet aspect-là de ton côté. Russe! Ça fait partie de ton apprentissage, hein? Alors, ici, tu peux le faire avec moi ou tu peux observer pour voir ce que ça donne au niveau des transitions. Alors ici, je commence toujours vers la gauche, nécessairement. Donc, Kyan Kataichi, yoi! Je commence en Zenkutsu Dashi, Ich, avec le Maigren Barai. Ici, Ni, Senshin Dashi. Jodanuki. Sam, je tourne mon pied pivot.
Ici, Ushuki. Shi, j'allonge. Kibadashi, Sotouki. Ichi, droite. Je tourne. Demi-tour. Avec Magen Barai. Ichi, Sanchindashi, Jodanuki. San, Ushuki, Kukutsudashi. Shi, j'allonge ici. Sotouki, Kibadashi. Un quart de tour dans mon dos, donc vers la gauche, et pour que je puisse avancer. Ni, Sanchindashi, Jodanuki. San, Ushuki, Kukutsudashi. Shi, j'avance ici. Yeah! Là, je suis au kiai de mon kata, donc au huitième déplacement. Donc, je suis rendu au douzième. Oui, c'est normal. Alors, ça te donne un visuel. Donc, au niveau, on fait un T, dans le fond, et on fait la base deux fois. Maintenant, on va le faire trois fois. OK? Je te dirais, une fois en comptant, deux fois en mogoré, on va y aller à 50 km/h. La deuxième fois, on va y aller à 60, un peu plus vite, pour passer à l'intégration du déplacement. Russ? Alors ici, je vais commencer de dos, je ne peux pas le faire en miroir, donc ça ne se fait pas. Donc pour la logistique, ça va être plus facile de le faire ensemble. Donc il y a des mouvements que tu as déjà, tu es déjà en terrain de connaissance, donc tu es capable de faire. Donc fais-toi confiance, tu connais les déplacements, donc il faut le développer et ça va faire partie de toi. Alors ici, donc face, donc là on est dos, donc je suis devant toi. On répète, Kyan Kateichi, Yoi! Une fois en comptant, après en mogoré. Ichi, gauche, gauche, comme le premier kata. Ni, Sanchindashi, Jodanuki. San, Ushuki, Kukutsudashi. Shi, Sotouki, Kibadashi. La droite, Ichi, demi-tour, Magiren Barai, Zenkutsudashi. Ichi, Sanchindashi gauche avec Jodanuki. Ichi, Hidari, Migi Yashimai, donc ici devant droite, Ushuki. Ichi, Hidari Yashimai, donc Sotouki, gauche devant. On recule gauche. Ichi, devant avec la gauche, Magiren Barai. Ichi, Sanchindashi, Jodanuki. Ni, Kukutsudashi, Ushuki. San, Sotouki, Kibadashi, Kia. Non, mais. Us. Maintenant, on le fait en mogoré. OK. Pour aller chercher ici une fluidité de mouvement. Donc, où ça demande un peu plus de place, c'est Kibadashi, le Zenkutsudashi. Donc, je peux être conscient qu'à la maison, tu peux être plus restreint. Donc, raccourcis ton Zenkutsudashi. Raccourcis un peu ton Kibadashi. Donc, les deux positions sont quand même assez restreintes, c'est le Sanchindashi et le Kukutsudashi qui ne prend pas trop de place. Donc le but, c'est de mémoriser la forme. Si jamais tu as un peu plus de place, éventuellement d'ici en fin de semaine ou les prochains jours, pratique le déplacement avec la transition des positions. Russ! Alors, maintenant on le fait en mogoré. Ok, je vais être encore dos à toi, on va le faire ensemble. 50 km/h, donc pour enlever un peu. OK, tirer les ficelles et créer la fluidité au niveau des enchaînements. Alors, on y va ensemble. Kyan Kateichi, yoi! En mogoré, 50 km/h. Jmik! Ça, si tu t'enfergeais un peu, c'est pas grave. Toi, tu me vois, moi, je te vois pas. Alors, il n'y a personne qui te voit à la maison. Alors, on ne peut pas te juger ni commenter. Alors, pour moi, tu peux le faire. Donc, étant donné que vous êtes plusieurs à me regarder et à me regarder et à vérifier les petits détails. Donc, on va le refaire une autre fois.
OK, à 60 km/h, un peu plus vite. Donc, pour vraiment aller chercher la coordination et la fluidité du mouvement. Donc, allons-y ensemble. Alors, si vous vous enfargez, donc c'est pas grave, passez au prochain déplacement. OK? Restez pas en bug. Donc, trouvez plutôt aller chercher le prochain mouvement pour finaliser, OK, l'enchaînement. Alors, on y va ensemble. Fixe point devant. Yann Katoichi. Oui! Alors, on y va ici. 60 km/h. Allumé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Yeah! Now it! Pousse. Yasume en rouge. Alors, voilà les déplacements. Et là, on a fait la moitié. Hein? Oublie pas qu'on a trois quarts de tour à faire et on a l'affaire à revenir et terminer le Kyan Kataichi. Donc, on a fait seulement une première partie. Pratique-la à la maison. La semaine prochaine, lundi prochain, je vais revenir là-dessus. Pour la deuxième partie, finaliser le Kyan Kataichi. Pousse. OK. Alors ici, on va travailler les déplacements en position de combat. Donc, je l'ai pratiqué hier un peu dans le cours avancé. Je vais simplifier un peu, donc, pour les déplacements. On va y aller ici avec les points cardinaux, OK? Donc, les 8 déplacements. Je vais le faire face à toi en miroir pour te faciliter la tâche. Et par la suite, je vais le faire en side view, donc en vue de profil pour te montrer une autre perspective pour faire le déplacement. Donc, l'important, c'est que tu saches faire tes points de repère. Donc, ça, c'est, dans le fond, ce que ça va contenir, c'est le demi-tour et le quart de tour. Demi-tour, un quart de tour. Nécessairement, le demi-tour sera vers la droite et le quart de tour vers la gauche. Alors, ça, c'est des aspects que tu dois garder en tête pour te repérer dans tes déplacements. Que si jamais tu as un doute, tu sais où tu t'en vas. Russe! Alors, ici, on va le faire trois fois en comptant. Après, on va le faire trois fois en mogoré. Et ensuite, je vais rajouter des mouvements. Coup de pied, coup de poing. OK? Donc, pour pouvoir poursuivre l'exercice pour les enchaînements. Alors, fixe point devant. Kumite dashi. Yoi! Jambe gauche devant, kamate. Yeah! Donc là, je suis en mode miroir. Donc, gauche-gauche. Donc, c'est ma droite, c'est ta gauche devant. Donc ici, là on va être dos à dos parce que le premier déplacement, c'est avec la jambe en arrière, c'est un mawate, donc demi-tour avec la droite. Alors, each, demi-tour avec la droite. Ici, ni, on tourne vers la gauche, là on est côte à côte. Son, demi-tour avec la droite. Shi, on tourne vers la gauche, on est encore ici, donc t'es derrière moi. Ich, demi-tour, donc avec la droite. Alors ici, on devrait être face à face. Hein? Ich, un quart de tour vers la gauche. Ni, un demi-tour vers la droite. Ich, un quart de tour vers la gauche. Gauche, gauche. On se voit face à face devant. Alors si tu n'as pas la jambe gauche devant, c'est que il y a un déplacement que tu as probablement oublié. OK? Alors ici, on le refait une autre fois. C'est pas grave si tu te mélanges. Le but, c'est de comprendre c'est quoi les déplacements, puis ça va rentrer en ligne de compte. Alors ici, gauche en avant, avec moi, donc demi-tour, donc vers l'arrière. Each, ici devant. Là, c'est la droite qui est en avant. Ni, un quart de tour. Donc, on fait juste tourner le quart. Donc, c'est ta gauche qui est devant. Sol, un demi-tour. Avec la droite. Shi, un quart de tour. Là, c'est la gauche. Go, un demi-tour. Droite, droite. On est face à face. Hein? Each, un quart de tour. C'est la gauche. Ça se fait très vite. Hein? Tu fais juste tourner quart 90 degrés. Each, un demi-tour. Vers la droite. Là, c'est la gauche. Ici, pardon, la droite qui est devant.
Et each, on tourne ici, donc la gauche. Gauche, gauche. Alors, on reprend à nouveau, main en haut. C'est à l'infini, hein? C'est un 8. Là. On pourrait poursuivre là, plusieurs fois. Mais on va faire des enchaînements là-dessus pour la semaine prochaine en continu. Donc, pour faire 8 à 10 fois l'enchaînement sans arrêt. OK, en gardant okay, ces jeux de pieds-là. Alors, main en haut. Alors, on y va ici. Demi-tour. Each. Droite en avant. Knee. Un quart de tour vers la gauche. Sans. Un demi-tour vers la droite. She. Un quart de tour avec la gauche. Go. Un demi-tour avec la droite. Droite, droite. On est face à face, là. Each. Un quart de tour avec la gauche. Each. Un demi-tour avec la droite. Each. Et on fait ici gauche, gauche, un quart de tour. Alors maintenant, je vais le faire ici de côté en comptant. Ça va peut-être te donner un autre angle de vue, puis une autre façon de le compléter. L'important, c'est d'être capable de transposer. Donc, plutôt que peut-être de regarder, juste écouter dans le fond, dans la direction qu'on va entreprendre, ça va t'aider à pouvoir former ton déplacement. Alors, et ça se fait dans un mètre par un mètre, dans un petit carré, là. On l'a travaillé la semaine passée avec Chiane Gaétan, mais je veux, dans le fond, revoir ici la notion pour ajouter punch kick et quelques mouvements. Alors ici, gauche en avant, on y va, donc each, un demi-tour, donc laissez la droite, knee, un quart de tour, gauche, sans, un demi-tour, droite, she, un quart de tour, gauche, go, un demi-tour, droite, each, un quart de tour, gauche, each, un demi-tour, droite, each, un quart de tour, gauche, on est revenu à la position d'origine, pousse, je refais une autre fois, et après on va le faire en mogoré, donc en miroir devant toi, alors ici, main devant, alors, je le fais encore de profil. Donc, tu as ta gauche, j'ai ma gauche. On y va ensemble. Donc, seulement écouter. Donc, demi-tour. Each avec jambe droite derrière. Knee, un quart de tour vers la gauche. Sans, un demi-tour vers la droite. She, un quart de tour vers la gauche. Go, un demi-tour vers la droite. Rip, un quart de tour vers la gauche. Siege. Un demi-tour vers la droite. Hatch. Un quart de tour vers la gauche. Alors, on devrait avoir gauche-gauche ensemble. Alors ici, on va le faire trois fois en mogoré. Et ensuite, je rajoute punch kick. Et on va, dans le fond, jouer avec ça. Soit avec la jambe en avant ou la jambe en arrière. Ou avec un coup de poing en gaiku ou bien en oitsuki. Donc, même bras, même jambe. Donc là, il faut faire commencer à plus réfléchir. Je rajoute des éléments de difficulté. Alors ici, on reprend face à face, gauche-gauche, position. On y va en mogoré. Pour pouvoir se suivre, je vais faire les housses. Ça va te donner un rythme. Si tu ne veux pas le faire à la maison parce que tu as peur que ton chien te mord une fesse, il n'y a pas de problème, je comprends ça. Moi, en même temps, ben, ça va juste te situer où on est rendu et ça va nous permettre de pouvoir suivre, se suivre ensemble. Donc, attends. Alors ici, main en haut, en mogoré. Donc, je vais faire des housses à chaque fois que je tourne. Ajme. Housse. 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 Us. Yeah! Alors, on l'a fait deux fois. Hein? Alors, on refait ça. Mais en haut. Donc, on le fait une autre fois en mogoré. Donc là, on va le faire juste 8 fois. Tantôt, je l'ai fait deux. Alors, on y va ensemble. Ajime. Us. 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 Us! Yeah! Donc, gauche devant ici. Gauche, gauche. On est en miroir. OK. Maintenant,
On va y aller avec Geden Mawashigiri. Donc, le pied circulaire aux côtes, suivi ici de Yaikutsuki. Donc, point contraire à la jambe d'en avant. Donc, Jodan, Yaikutsuki, donc deux fois. Alors, ça va donner ici kick, Yaikutsuki. Us. Donc, à chaque déplacement, Mawashi Chudan. Sinon, maximum de ta flexibilité ou dans la cuisse, mais ici, on veut la hauteur Chudan, suivi d'un double punch. Us. Alors, ici, on va y aller en comptant. Donc, each, demi-tour. Ici, jambe en arrière. Kick. Yaikutsuki. Knee, un quart de tour. Jambe en arrière. Kick. Yaikutsuki. Sam. Tourne. Kick. Jambe en arrière. Remets. Yaikutsuki. Ici. Shi. Devant. Kick. Hop. Yaikutsuki. Go! Tourne! Là, c'est droite-droite. Frappe avec la gauche. Gauche-droite. Rip! On tourne. Droite. Droite-gauche. Siege. Tourne. Go! Gauche-droite. Hatch! Gauche. Droite qui frappe. Droite-gauche. Gauche-gauche. Même bras, même jambe. OK? On va un peu plus vite. Là, on va commencer à mettre en ligne de compte, donc, la fluidité et de mettre en place tes points de repère. Donc, il faut dérouiller ça. Il faut mettre de l'huile dans la machine, comme on dit. OK? Alors, main ici en haut. On y va ensemble, toujours Mawashi Chudan, suivi de Nihon Yaikutsuki. Donc, double punch, commençant, point contraire à la jambe, au menton. Alors, on y va encore en comptant. Après, on va le faire en moguri. Donc, ici, each, demi-tour. Kick avec la gauche, gauche-droite. Knee, un quart de tour. Droite, droite-gauche. Sun, un demi-tour. Gauche qui frappe, gauche-droite. Shi, un quart de tour. Droite qui frappe, droite-gauche. Go! Un demi-tour. Gauche qui frappe. Gauche-droite. Rip. Un quart de tour. Droite qui frappe. Droite-gauche. Siege. Un demi-tour. Gauche qui frappe. Gauche-droite. Hatch. Devant. Droite qui frappe. Droite-gauche. Us. Là, évidemment, ici, il y a le point d'ancrage, donc le point d'équilibre. Donc, il faut que tu gardes ton ballon. Quand tu fais tes pivots, on fait mawashi, il faut revenir derrière. Ça demande à gérer le ballon du corps et ton centre d'équilibre nécessairement. Donc, pour y arriver, si tu as les jambes tendues, ça va être difficile. Si tu plies tes genoux en position de combat, tu vas avoir ton centre de gravité un peu plus bas et tu vas être en mesure de mieux gérer ton centre d'équilibre. OK? Alors ici, là, on va le faire en moguri. En moguri, c'est un peu différent. Il faut que tu te mettes en tête que là, les points d'appui vont changer parce que tu es en inertie. Donc, inertie qui bouge, donc pas celle qui est arrêtée. Donc, tu as une certaine inertie puis une synergie de mouvement. Donc, quand tu es en déplacement, il faut que tu sois en mesure de favoriser ici avec le mouvement du corps, ton mawashi et ton mouvement d'épaule, double punch, et de poursuivre les autres déplacements selon l'ordre qu'on a pratiqué depuis deux cours. Alors, ça, c'est très important, ce que ça soit intégré. Us. Alors, on y va ensemble en moguri. Je vais faire un kiai à mon dernier punch après chaque déplacement pour te situer. Donc, je ferai en faire 8. Alors, on y va à 50 km/h. Si les autres, vous êtes plus habitués, vous pouvez aller un peu plus vite. Alors, on y va en moguri. Ajume. Yeah! 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 Alors,
que ça. Donc, tu vois ici, selon la façon que tu dois tourner, position de combat, tu dois maintenir ton équilibre et en même temps d'être en mesure d'être en position de force pour pouvoir déployer ton Chudan Mawashigiri. Donc, je vous rappelle que le coup de pied se fait au corps. À la hauteur de la ceinture, on fait un double punch, point contraire à la jambe en premier, toujours. Donc, au menton. Pousse. Maintenant, on va un peu plus vite. On va monter à 60 km/h. La même chose, je vais faire mon kiai seulement au deuxième coup de poing. Et on va monter à 70 km/h. Alors, écrivez-moi dans vos commentaires un peu comment ça se passe à la fin de la vidéo. Voir si c'est à l'aise ou si c'est encore un peu à pratiquer. Donc, ça va me permettre de savoir ce qu'on revoit ça la semaine prochaine quelque peu. Puis, en même temps, ça va faire une notion à pratiquer à la maison dans les prochains jours. Alors, main ici, point en haut, chaque côté. On y va. Jimmy! Tourne! Kick! Os! 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 Kick! Yeah! 60 km/h, ça. Alors, on y va ici avec fluidité, on tourne le corps et on doit mettre de l'huile dans la machine, comme j'ai dit, et que ça soit fluide. Contrôle, maîtrise du déplacement. Us! Là, on le fait à 70 km/h. Sinon, allez-y à 50-60, je vais attendre quelques secondes à la fin pour que tu puisses avoir le temps de terminer avant de poursuivre le prochain exercice. Us! Alors ici, main en haut, on y va ensemble, 70 kilos. Je mets! Us! 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 Yeah! Alors ici, la difficulté, c'est de te rappeler que c'est en Gaiku Tsuki à chaque fois que tu punches. On va le faire une dernière fois, OK? Donc, pour te permettre de te reprendre, on va le faire une dernière fois. Pense que c'est en Gaiku. Donc, si tu déposes la jambe, là, ça va trop vite, puis tu frappes avec même bras, même jambe. Il faut corriger. Donc, l'attention est sur le point derrière. Gaiku Tsuki. Us! Le moyen, c'est de te concentrer sur ton mawashi et après, tes punches vont se faire tout seul avec ton déplacement. OK? Alors, essaie-le, tu vas voir ce que ça donne. Alors, dernière fois en moguri, 70 kilos. OK? Jimmy! Us! 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 Yeah! Gauche, gauche. Us. Jambe gauche devant. Tu recules dans l'oreille. On revient. Us. Yasumi, on relaxe. Très bien. Alors ici, ça mettait en force la coordination, la rétention et surtout, comme on a expliqué cette semaine, donc, de te retrouver, de te permettre d'ancrer, de te situer, OK, dans ton environnement, donc rapidement. Et selon les points cardinaux ou la façon que tu tournes, dans les combats, ça va grandement t'aider pour les esquives, les sorties in and out et le jeu de pied, nécessairement. OK? Alors, ça demande à pratiquer. C'est ça le secret. Alors, pour y arriver. Alors, maintenant, poursuivons avec nos exercices. Je vais sortir mon jeu de cartes. Oui, non, je ne jouerai pas au poker ni au blackjack. Donc, ni au 500 non plus. Alors, ici, j'ai mon jeu de cartes. Donc, on va faire push-up, set-up, squat. Je pige 5 cartes. Donc, et selon la nomination, ici, le roi, c'est 13, l'as, c'est 1, et ici, on a le joker, c'est 25.
Alors, si on pige que des petites cartes, on en rajoute une sixième. Mais en règle générale, on a quand même une bonne moyenne. Ous? Alors, je vais brasser les cartes pour vous. Alors, allons-y. Et non, ce cours n'est pas financé par le Casino de Montréal. On en serait vraiment très heureux. Hein? Alors, on va brasser les cartes comme il faut, hein, pour que ce soit équitable. OK. Oup! Donc, le valet et la dame, respectivement, sont de valeur 11 et 12. OK. Et on poursuit l'exercice ensemble. C'est parti. Donc, position push-up. Alors, voici ce que ça donne. Donc, première carte. Valet de cœur. Donc, on y va pour 11 push-ups. C'est parti. Ich, ni, san, chi, go, rik, si, h, q, ju, ich. On relaxe. C'est très bien. Alors, deuxième carte. Un as de cœur. Donc, un push-up. Ich. Très bien. Troisième carte. Un 3 de carreau. Donc, on y va pour 3. Ich, ni, san. On relaxe. Quatrième carte. Un 2 de trèfle. On y va ici. Position ich, ni. Alors, j'aimerais saluer Pierre et Anina. Donc, merci d'être avec nous depuis les dernières semaines. Espérant que vous allez bien. Donc, vraiment super que vous participiez régulièrement. C'est très motivant. Alors, ici, cinquième carte, 6 de carreau. Alors, on en fait 6. Ich, ni, san, chi, go, rip. Étant donné qu'on a eu des petites nominations, on va en choisir une dernière. Eh bien, un as. On n'était pas dû pour en faire beaucoup. Ich. Et on relaxe. Setup maintenant. Alors, redressement assis. Alors, la même chose, on va piger 5 cartes. Donc, c'est des petites cartes, on en pige 6. Alors, première carte. Ah, ben, ils ne sont pas tous à l'extérieur. Un de pique. Alors, ça se retrouve dans le paquet. On y va. Ich, ni. Très bien. Alors, ici, deuxième carte. 5 de pique. On continue. Ich, ni, san, chi, go. Très bien. Alors ici, troisième carte. L'as de trèfle. Évidemment, c'est les petites cartes. Ich. Très bien. Alors ici, 4 de carreau. Continue. Ich, ni, san, chi. Prochaine carte. Bon, on va en piger deux autres, hein, de la façon que ça va là. Et là, là. 3 de pique. On continue. Ich, ni, san. Et une dernière, et non la moindre. Bon, mais coudonc. 4 de pique. Hein, c'est les petites nominations. Ich, ni, san, chi. Très bien. Debout, Kiritz. Maintenant, on va poursuivre avec les squats. Là, ça va faire exprès. On va tous prendre, on va tous piger des grosses têtes. Alors, ici, valet de pique. On en fait 11, mais en haut, ich, ni, san, chi, go, rip, sich, h, q, ju, ich. Très bien. Prochaine carte. Eh oui, une dame de cœur, donc on en fait 12, mais en haut, ich, ni, san, chi, go, rip, sich, h, q, ju, ich, ni. Très bien. On poursuit. Troisième carte. Un 5 de cœur. Donc, on y va ensemble. Ich, ni, san, chi, go. Très bien. Quatrième carte. Le 8 de carreau. Alors, poursuivons. Ich, ni, san, chi, go. Rip, sich, h. Très bien. Prochaine carte.
On y va ici avec le valet de trèfle. Alors, c'est là qu'il se cachait. Mais en haut, each, knee, son, she, go, rick, sit, h, q, ju, each. Bravo, us. Ça complète les exercices. Alors, très bien. Alors ici, on va terminer en faisant la planche. Donc, pour travailler les abdominaux. Alors, on va travailler la planche. 1 minute de face. 1 minute sur le côté. Et dernière minute sur l'autre côté. Donc, les obliques également. Donc, on va travailler ça ensemble. Je donne un répit de 30 secondes environ à chaque round. Et par la suite, ça va compléter le cours de ce soir. OK? Alors, je mets ici le timer. Voilà. OK. Donc, compte d'une minute. Voilà. 1 minute. On a 30 secondes et là. Tiens, on va y aller pour 3 rounds. Alors, on commence avec les coudes au plancher, donc en ligne droite, OK? On essaie de rester le corps droit. Alors, position. C'est parti. Donc, 60 secondes. On fait la planche ici devant. C'est bon. On continue. On maintient la position. 30 secondes. On reste là. Ça va bien. Il reste 10 secondes. Très bien. Après, on se met de côté. OK, soit gauche ou droite. Donc, tu peux être face à la télé ou de dos. C'est comme tu veux. On a un petit répit de 30 secondes. Donc, c'est en cours. Donc, tu te places sur le côté en ligne droite. Tu essaies d'aligner donc, ton bassin avec tes jambes et tes épaules. De ne pas être en position crevette. Donc, d'être OK en ligne droite le plus possible. Donc, moi, je me place sur mon côté gauche. Ici, le corps droit, je vais mettre mon poing ici et je soulève. Donc, each, comme ça ici, main sur le côté et je maintiens une tension. Donc, le corps droit, OK? Droit, 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 tu vas sentir au niveau des reins, des côtes. Donc, c'est là que ça se passe. La majorité du poids est sur ton coude, naturellement, et qui est supporté par ton épaule. Il y en a même, s'ils veulent, ils lèvent la jambe. Donc, pour augmenter la difficulté. Il reste 30 secondes. C'est là que ça commence à travailler par notre ligne de compte. Hey, aimé, on relaxe. Moi, je vais juste me tourner pour rester face à toi. Donc, on a 30 secondes de répit. Et on va faire maintenant, selon ton côté, donc soit gauche ou droite. Moi, je suis rendu sur mon côté droit. Alors, je me place le corps et les fesses droits autant que possible. Avec mon avant-bras ici, ma main sur le côté. Il y en a qui lèvent la jambe comme ça ici. Donc, ça augmente la difficulté. Si tu relèves le défi quelques secondes, ou durant la minute au complet, c'est très bien. C'est parti, on lève. On garde une tension. En ligne droite, on est à côté sur notre bras. On garde le sourire, on prend des photos.
Ça va très bien. Exercice de renforcement. C'est toujours bon. On maintient la position. Trente secondes. Ça va bien, on maintient, on maintient. On est rendu au dernier 1000. Quelques secondes à peine. Hop! Allez, allez, allez! Et amis, on relaxe. En règle générale, vous devriez être en mesure au moins d'atteindre entre 45 à 60 secondes. OK? Donc, s'il y a une difficulté de ce côté-là, il faut pousser un peu plus. Donc, rendu au niveau où vous êtes, surtout si vous êtes proche de la quarantaine, donc si vous êtes un peu plus avancé en âge, ça se comprend, mais même à ça, c'est relatif. Hein? Alors, on devrait tous être en mesure de mettre entre 45 à 60 secondes sans difficulté. Okay? Donc, il faut quand même avoir un niveau standard donc, pour y arriver. Hein? Donc, mettez la barre un peu plus haute qu'un peu trop basse. Ous! Alors, ce qui conclut de notre cours de ce soir, ce mercredi 1er avril 2020. Alors, juste vous rappeler de partager la vidéo en mode public et non pas ami pour que ça soit ouvert à tous et que ça soit déployé à travers le web. Donc, je vous rappelle d'aller consulter le site web de Karaté Laval dans l'onglet « Accueil vidéo » ou dans la page frontale. Juste en bas, vous avez les vidéos en primeur, donc qui sont à jour à tous les jours du lundi au jeudi. Et vérifiez vos courriels. Donc, c'est une mise à jour, dans le fond, des vidéos lorsqu'ils sont publiés sur le web. Donc, quand le courriel est envoyé, ça vous indique tout simplement que les vidéos sont sur le web et sont accessibles sur la chaîne YouTube. C'est aussi simple que ça. Espérant que vous appréciez, je m'investis, Chiane et moi, donc nous investissons à vous offrir des cours continus de manière impeccable. Donc, on fait tout notre possible pour être... Donc, bien perçu devant la caméra avec les angles de vue, le télévisuel et tout. Donc, je sais, parfois, ce n'est pas toujours évident, mais votre compréhension est la bienvenue. Et prenez soin de vous tous et on se revoit la semaine prochaine. Alors, terminons. Point chaque côté, le camp droit. César Moxour! Moksoyame, Karate Kyokushin, Us, Sensei Mirei, Us, Senpai Nirei, Us, Otogai Nirei, Us, et le cours est terminé, Us, Kiritz, Us, Domo Arigato, Kozaimashita, Domo Us, merci beaucoup, bonne semaine, et pour le cours avancé des 8 à 10 ans, on se voit demain, jeudi, Us, bonne soirée.